Bienvenue au studio Cozy Sensech. On a le plaisir d'avoir avec nous Dr Cédric Gauthier, cardiologue et médecin conseil expert. Et donc, on va discuter aujourd'hui de l'ablation de la fibrillation auriculaire et les risques qui impliquent cette procédure. Notamment, il existe chaque année des plaintes contre les cardiologues lors de la réalisation de l'ablation de la fibrillation auriculaire. Avez-vous des conseils concernant l'indication de l'acte et surtout l'information des patients? Alors oui, en effet, on a des complications qui sont parfois graves, voire mortelles, hein, même si elles sont peu fréquentes, inférieures à 1%. Et à partir du moment où la réalisation d'une ablation de fibrillation auriculaire n'est jamais un acte urgent, on a toujours le temps d'expliquer aux patients, et il faut le faire dès la découverte de la fibrillation auriculaire, en disant que l'ablation de fibrillation est une option thérapeutique. Et il faut donc préparer le patient progressivement à cet acte qui est souvent nécessaire, hein, afin d'éviter d'avoir à prendre des antiarythmiques de façon prolongée, hein, comme l'amiodarone qui a des complications graves. Et cette information doit se faire au fil des consultations, mais également au moment où on va adresser le patient à un rythmologue, donc bien expliquer qu'on a commencé à aborder l'explication sur les risques de la procédure. Alors, quand on va adresser le patient à un rythmologue, il faut adresser le patient pour un avis sur l'indication de l'ablation, et c'est le rythmologue qui va prendre la décision. Ce n'est pas le cardiologue qui n'a pas forcément toutes les compétences pour choisir tel ou tel type de procédure. Et voilà, donc c'est important d'avoir cette démarche-là. Elle doit s'accompagner également d'une information écrite, mais ça, c'est plutôt au rythmologue de le faire à partir du moment où il a retenu l'indication. Concernant la survenue de la fistule esoatriale, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations concernant cette complication? Si j'ai bien compris, je ne la connais pas trop. C'est une complication tardive? Alors, c'est une complication, effectivement, qui est une conséquence au moment où on va faire l'ablation. Et les températures vont monter de façon importante au niveau de la paroi de l'oreillette gauche. Et il y a un processus de cicatrisation qui va prendre plusieurs semaines, et en général, les fistules œso-atriales se manifestent une à deux semaines après le geste, et en général, le patient est retourné à domicile. Donc son premier recours médical, ça sera son généraliste, et s'il n'est pas sensibilisé à cette potentielle complication gravissime, il va s'adresser à son généraliste. Alors que la bonne démarche consisterait à bien l'informer pour que s'il présente des signes de fièvre, de douleurs œsophagiennes, de troubles de dysphagie, de fièvre ou autres symptômes qui reviennent soit vers son cardiologue, soit vers le centre de rythmologie. Et c'est important que les structures de rythmologie s'organisent en interne pour pouvoir recevoir les appels de ces patients-là, faire une sorte de hotline. Et c'est à ce titre-là qu'on arrivera à dépister le plus précocement. Et le rythmologue qui connaît bien cette complication prescrira un scanner assez facilement pour voir s'il n'y a pas des bulles d'air derrière l'oreillette, et c'est comme ça qu'on fera le diagnostic. Parfait, je vous remercie. Et donc dans ce cadre, même un peu plus général, dans le cadre de l'ablation de la fibrillation auriculaire, qu'est-ce qu'on peut conseiller les patients concernant les éventuels voyages en France ou à l'étranger? Quelles sont les consignes grosso modo? Alors, c'est vrai qu'on a eu le cas d'un patient qui était parti à l'étranger très rapidement après l'ablation de FA, qui s'était très bien passé sur le plan technique, et il a fait cette complication à l'étranger. Il a dû être opéré dans un pays étranger, et heureusement, il a été très bien opéré, mais il aurait été dans une zone tropicale démédicalisée, et il en serait probablement décédé. Donc, on aurait tendance à dire, il n'y a pas de recommandation officielle, mais vu que ce processus de cicatrisation va prendre plusieurs semaines, peut-être que de conseiller aux patients de rester 3 semaines à 1 mois dans des zones médicalisées, idéalement près de son centre de référence, parce que c'est lui qui connaît le mieux le patient. Et c'est vrai que ce type de conseil s'applique aussi à plein d'autres domaines de la cardiologie. J'aurais tendance à dire qu'après un TAVI, on ne va pas partir très très loin. Bon, c'est vrai que c'est une population plus âgée, mais voilà, et toutes les procédures un peu complexes, les angioplasties très complexes, il faut mieux éviter de partir loin après ce genre d'acte.
une question qui arrive assez souvent de la part de nos patients. Est-ce qu'il peut voyager en avion tout de suite après un acte invasif? Bien sûr, à condition que l'hémostase est correcte. Souvent, Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on est dans l'avion, il n'y a pas un risque. Il n'y a pas de contre-indication. Voilà, c'est sûr que plus on va faire un voyage prolongé, si on fait une heure de vol, je pense qu'il n'y a pas de conséquences. Par contre, si on fait un vol transatlantique, s'il a une complication au milieu de l'Atlantique, faire détourner l'avion va avoir des conséquences pour lui, mais également pour l'ensemble de l'équipage et des passagers. On vous remercie pour votre temps. Merci.